Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous là pour une nouvelle vidéo côté que nous allons parler de 10 plus grands monuments historiques qui gagnent en Haïti. Pas oublier, abonnez-vous avec Chanel là pour qu'à toujours être connecté, pour ne pas rater aucune vidéo. Like vidéo, partagez vidéo. Dans le petit pouce, nous allons retourner pour nous faire une faible présentation monument historique ça. Premier assez, citadelle La Ferrière. Il était détruit en 1842 par un séisme. Il est situé dans le département Nord, commune Milo. Il était conçu par Henri Christophe. Il faut que c'est le plus grand forteresse Caraïbe à 900 mètres d'altitude. Il est trouvé à 15 km au sud du Cap. Forteresse ça a abrité 2000 hommes et 5000 en cas de nécessité. C'est la 8e merveille du monde. Deuxième assez, Palais sans souci. Il est situé au nord pour une superficie de 25 286 hectares. Il était créé en 1968 et il est reconnu comme patrimoine mondial par l'UNESCO en 1982. Il est situé principalement dans la commune d'Ondon. Et troisième dans le même lycée, cathédrale Notre-Dame du Cap Haïtien. C'est siège archevêque de l'archidiocèse du Cap Haïtien. Il gagne une superficie de 2000 m² et il est capable d'accueillir 2500 monde. Quatrième dans le même lycée, Fort Jacques. Fort Saint a abandonné après la mort de Dessalines en 1806. Cinquième dans le même lycée, Fort des Anglais. Situé dans la commune de Mirbalais, il a pral découvert pendant l'occupation des Anglais de Saint-Domingue. C'est une plus grande forteresse sous territoire. Il est construit en roche. Il était construit au 19e siècle par les Britanniques. Soit 1795 et 1798. Sous période ça, Anglais ont été occupés Mirbalais. Et sixième dans le même lycée, héros de Vertière. Il est constitué de 6 héros, 4 garçons et 2 filles qui ont participé dans la bataille de Vertière. Là. C'était le dernier combat haïtien contre l'armée française. C'était le 18 novembre 1803. Il était construit en 1953. Classé patrimoine national depuis 1995. Et septième dans le même lycée, cathédrale Milo. C'est un monument qui est plus vénéré en Haïti. Il est situé au nord, dans l'arrondissement de la Cule du Nord. Et huitième dans le même lycée, 500 marches miraculeuses. Il est situé au Koto. Il était construit par Aurel Exama. Il a commencé après un congrès charismatique en avril 2000. Et neuvième dans le même lycée, cathédrale Saint-Louis-Roi de France. Il est situé dans le département Grand-Anse, plus précisément à Jérémy. Et dixièmement, le même lycée, nous parlons pour nous parler de dixième monument historique là, le lycée Fort des Oliviers. Il est situé à Saint-Louis du Sud. C'est un patrimoine historique qui est important dans la ville Saint-Louis du Sud là, à 34,7 km à l'est de la ville d'Ec. Il était construit par les Français à l'époque coloniale pour confronter les Anglais. C'est là que nous mettons un bout dans la vidéo aujourd'hui. Si vous pouvez vous abonner avec la chaîne, nous souhaitons que vous fassiez ça pour nous. C'est important. Pour qu'à toujours été informé. Like la vidéo, partagez la vidéo. N'abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à la prochaine.